Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un vieux jeu que malheureusement je n'ai encore jamais eu l'occasion de jouer. Donc je vais le découvrir avec ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il y en a parmi vous. Alors, je vais être en guerrier Sith, enfin quoi qu'on joue l'apprenti de Dark Vador en apprenti. Est-ce qu'on se fait chier et puis qu'on y va en... Allez, parfait pour les débutants. Vu que j'ai encore jamais joué au jeu, ce sera parfait. Là oui, en général, enfin, plus je joue souvent jouer les gentils, les Jedi, personnes qui sont jouées du bien, tandis que dans ce jeu on incarne l'apprenti de Dark Vador, donc l'apprenti du mal. Enfin là visiblement on commence directement par Dark Vador, on va aller mettre fin à la révolte Wookiee. Si vous les avez pas vus, bah voilà, je dis spoiler alerte, hein, je vais beaucoup spoiler de tous les Star Wars. Donc si vous les avez pas vus, tant pis pour vous, bah ça fait un moment qu'ils sont sortis. Enfin sauf c'est vrai que Rogue One et puis Solo, je ne les ai pas encore vus. Pour un fan de Star Wars comme moi, c'est comme avoir joué à ce jeu, c'est pas très normal. Enfin, pas avoir joué. Voilà, je comble les lacunes avec vous. Donc je vais découvrir un peu plus de l'histoire de Star Wars, qui malheureusement ne fait pas partie de l'univers étendu de Disney. Voilà, Disney a un petit peu massacré la licence que j'aime particulièrement sur certains points. Ils l'ont massacré, après il y a d'autres points où j'aime bien parce qu'on a plus d'objets dérivés Star Wars, plus rachat. On va voir le troisième pour vraiment faire une opinion sur ce que c'est avec toi. Seigneur Vador, nous sommes tombés dans une embuscade à notre arrivée, mais j'ai la situation bien en... Je n'ai que faire de vos problèmes de stratégie, commandant. J'ai moi-même une mission à remplir. Quand même badass, Vador. Est-ce qu'on joue? Un tutoriel avec Vador, quoi, ça c'est la base. Je sens que je vais kiffer ce jeu. Bon, là, j'ai Vador, là, il est juste imbattable. Mais... Alors, je vais charger la projection de force en maintenant B enfoncé. C'est bizarre. Voilà, j'ai mis sa faible pété. C'est bon ça. Hmm.
merde. Pouf. Est-ce que je peux changer la difficulté? Oui, on peut changer la difficulté du coup. On va se mettre en seigneur site. Et puis si jamais on baissera plus tard. Là on se fait un petit peu chier. C'est pour ça qu'on se fait chier. Parce qu'il est tellement puissant que c'est juste pas intéressant de combattre ce qu'il y a en face. Ah, je vais plus vite en sautant. Après roleplay, mais je vais plus vite en sautant. Au moins c'est un jeu où c'est réaliste parce que le sabre laser ça te découpe quelqu'un d'un coup là. Au moins le sabre laser fait vraiment des dégâts, c'est pas comme dans tous ces jeux, le sabre laser qui fait quasiment rien et limite pistolet laser tu fais plus de dégâts quoi. Ah mais putain, j'allais passer là pour apprendre à conduire ton taille. Tu sais voler. Thank you.
terrasse du Wookiee. Que je fais un génocide chez les Wookiees là. Attaquer le seigneur Vador. Je suppose qu'après je vais en chier des briques, que là c'est tout facile. Seigneur noir, quoi que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Ton déguisement ne peut pas me tromper, Jedi. Va-t'en. Faire les éclairs, j'adore quand même. Vous devez faire dans un choc, appuyez rapidement sur X pour l'emporter. Prendre la vie. Non. Tu tombes. Faire un étranglement. Ciel, mais il y a un gros arbre qui bloque la vue. Non, il ne peut pas battre le seigneur Vador. Ça joue à peu de choses, hein.
se cache ton maître? Le côté obscur a obscurci ton esprit. Tu as tué mon maître il y a des années. Et maintenant, tu vas connaître le même sort. Un fils. Cours! Seigneur Vador... Viens avec moi. Il va en arriver d'autres. Tu étais faible quand je t'ai trouvé, mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Vos espions ont localisé un Jedi? Oui, Maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et apporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Ne révèle pas ton existence à l'Empereur. Ne laisse aucun témoin. Tue tout le monde à bord, les impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez, mon maître. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait des années que je n'avais pas fait ce programme d'entraînement. Je le croyais effacé. Ah, en utilisant un vieux module d'entraînement, je pensais profiter de l'effet de surprise pour enfin vous tuer. Mais j'ai encore échoué, désolé. Je sais que tu réessaieras. Oui, mais fais-moi plaisir. Évite les embuscades. Proxy? Ah oui, votre nouveau pilote est enfin arrivé, maître. J'accède aux archives impériales. Capitaine Juno Eclipse, née sur Corulag, où elle est devenue le plus jeune élément jamais accepté à l'Académie Impériale. Pilote de combat décoré avec plus de 100 missions à son actif, elle a dirigé les opérations de bombardement de Kalos. Le Seigneur Vador l'a placée à la tête de son escadron Noir 5, puis elle a été affectée à une mission top secrète. Est-ce qu'il y a aussi un profil psychologique? En fait, oui. Mais l'accès est interdit. Oh, maître, ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera impossible de la reprogrammer. Tu sais pourquoi tu es ici? Oui, mes ordres sont clairs. Je dois veiller au bon fonctionnement du vaisseau et vous conduire là où vos missions l'exigent. Vador t'a dit qu'il avait tué notre dernier pilote? Non. Mais je suppose que s'il l'a tué, c'est qu'il avait sûrement une excellente raison. Ça va aller. Tant mieux, j'en ai assez ouais, pour former les pilotes. Ouais, excellente raison, Vador. Qu'as-tu fait à mon vaisseau? J'adore le robot, il a la même démarche que... J'ai pris la liberté d'améliorer la batterie de senseurs du Rogue Shadow. Vous pourrez espionner tous les vaisseaux présents dans un système donné. Ah, il a repris sa démarche. Vous êtes un espion de Vador. La seule information que tu as besoin de connaître, c'est notre destination. En l'occurrence, nous devons nous rendre sur Nar Shaddaa. Tu peux t'en occuper? Salut, Isa. Bien sûr. Cette salle d'entraînement est réservée à votre usage personnel. Ici, vous pourrez apprendre à maîtriser les pouvoirs de la force et des techniques de combat grâce à divers modules d'entraînement à la demande du Seigneur Vador. Tous ces modules sont aussi programmés pour essayer de vous tuer comme moi. Mais c'est la joie, dis donc.
acheter un objet. Appuyez le long moment sur RT pour saisir un objet. Puis orienter le stick gauche une direction. L'objet sera projeté dans la direction. Ok. Compris. Le vieux soldat est en construction. Proxy, montre-moi la cible. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un général très respecté pendant la guerre des clones. Tu chasses les Jedi. Je conduis les ennemis de Dark Vador devant la justice. Moi aussi j'aime beaucoup l'idée de... Et toi aussi maintenant. Allez, Proxy. Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas faits pour le combat. Il disposait donc de sa propre armée. Il n'y avait donc pas de clones avec lui quand l'ordre 66 a été donné. Et après l'ordre 66, il a disparu. Les archives officielles impériales indiquent clairement qu'il est mort. Dans ce cas, pourquoi s'expose-t-il en attaquant l'Empire ? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi ? 7. Parfait. Nous mettons le cap sur Nar Shaddaa. Passage en vitesse lumière. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. À vos ordres. Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Charge explosive au niveau 2, 5 et 12, comme prévu. Dark Vador qui traque les personnes de l'ordre 66. Là, c'est un... Enfin, tu sors de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12 et dites à nos hommes de se mettre en position, mes généraux. Planète un peu en mode casino. C'est contrôlé par les hôtes. Ah, j'ai plus de sous. Ah si, j'ai toujours du sous. Bon, pas de survivants. Les droïdes, ça compte. Casser. Ah non, je peux tout projeter. Yeah. Ah, j'adore. Pas de survivants. Putain, j'arrive pas à casser les tailles. Thank you.
2008. Oui, et j'y ai encore jamais joué, c'est une honte. Je sais. Du coup, j'ai coupé le robot en sabre laser. Ça compte pas, il me faut vraiment que des chasseurs. Ah mais pourquoi j'arrive pas à le choper? Mais je veux remonter moi. Arrêtez de me tirer dessus, je suis un gentil. Enfin non, je suis un méchant, mais je suis un gentil. Je suis un Jedi et vous ne pouvez rien contre moi. Du coup, est-ce que j'ai mon objectif bonus? Comment je fais pour voir les objectifs? Merde, là j'ai envie de dire. Si je bouge, je me chope une rafale dans la gueule. Non. Pourquoi je peux pas monter sur le vaisseau, sérieux? J'ai un double saut. Thank you.
juste détruit une fois. J'ai chier avec la putain de tourelle. Ah, mais ils sont chiants avec leurs portes. Force elle remontait vitesse à laquelle on envoyait des trucs. Accéder au niveau 2. Il n'y a plus de musique, c'est trop calme. Ça me plaît pas. Je préfère quand c'est un petit peu plus, trop moins calme. Ah putain! Non mais sérieux! Juste parce qu'il fait pas d'attaque écrasée. Ah! Faut que je m'habitue à ça, qu'il frappe en l'air. Ça y est, c'est frappé en l'air. Ah bah non, mais. Mais. Ah, faut que je garde appuyé, ok. Suivant. Pouvoir à la force, tu débloques les combos, améliore les aptitudes. Amélioration de force. Ok. Ok. Talent force. Combo de force. Pouvoir de force. Moi je veux des éclairs de force. Ah je peux pas encore. Préhension de force. Talent de force. Affinité à la force. Que ça fait l'affinité à la force augmente la vitesse à laquelle vous récupérez votre force.
chaque mois augmente l'énergie de force maximum. Ça vaut 2. Je commence pas, il y a un 2 en haut, mais il y a un 1 ici. Ça veut dire quoi que j'en ai un dépensé ici. J'en ai 2 à dépenser ici, du coup. On va prendre un peu plus de vitalité, hein, comme ça on a plus de vie. La santé qu'on récupère après avoir vaincu un ennemi réduit les dommages que vous essuyez. On va prendre ça. Et puis là. Balayage de sable, onde de choc. C'est quoi l'onde de choc? LB et B. Les ennemis situés à proximité sont balayés par une puissante onde de choc. Ouais, on va prendre ça. Ça, c'est cool, ça. Mais c'est con alors. Quel monstre que je fais. Bon, c'est là que je me suis fait déboîter avant. Comment il est mort, il s'est pas pris mon sabre, mais il est mort. Une petite pute qui arrive et pouf. Mais d'où il peut me tirer dessus là? Je suis derrière des caisses. Salaud. Je peux pas prendre la mitrailleuse, moi, je suis obligé d'être au sabre. Je sais bien que je suis un site, mais quand même. Thank you.
Bon, ça va, c'est les Stormtroopers que j'affronte, donc c'est pas folichon. Juste là, et on fait boum! Bon, j'ai sûrement raté plein de bonus parce qu'il me semble qu'il y a 2-3 endroits où j'ai pas été. J'ai raté mon strike, merde. Je fais un spar. Hop. Tech. Allez, usine de fabrication de. Impressionnant. Enfin, c'est même pas l'usine de fabrication, parce que c'est un vaisseau, ça. Narshada sur la station, bah oui, c'est une station de fabrication de TIE Fighter. Oh, j'ai un holocron, mais où est-ce que je dois aller? Ah là. Oh le salaud, par derrière comme ça. Ça fait mal ces fauteuils dans la gueule. Voté. Esquivé. Voté. Avec un fracas comme ça. Hop. Faut tout casser, c'est ça? Oh. Ça manque de son, les cinématiques.
D'ailleurs, est-ce qu'au niveau du son, ça va ou faut que je monte un petit peu le volume? C'est dangereux ce rayon. J'aime bien moi. Quelle espèce de monstre. Je fais comment pour m'enfuir moi maintenant? Je voulais mettre mon sabre dedans, je voulais pas foutre ma tête dedans. Jeu vraiment en fond. Ok, alors je mets mes coups et puis je m'occupe de ça. Projection de force, on va prendre. Et puis on va prendre la concentration de force. Je veux des éclairs de force. On disait donc option. Je foutrai à fond, puis on va baisser ici. Échapper au champ de protection. Ouais, échapper au champ de protection, t'es mignon, mais comment j'échappe au champ de protection? Il n'y a pas de son. Là-bas, à terre, vite! Il y a une petite musique. Ah, ça me fait. Comment est-ce qu'on peut bien s'en aller? Pas de... On peut envoyer... Ah non, oui, si, mais je comprends pas les rien. Ça fait rien. Un appareil qui est particulier. On fait ce
fait pas que je le détruise, il fait que j'utilise... je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Échapper au champ de protection de la salle. Ouais, mais comment je fais? Hein? Ouais, franchement, comment je fais? Ah mais merde, c'est de là où je viens ça. Est-ce que j'ai cherché le locron ou bien... Oh non, ça me saoule. Je sais pas ce que ça rapporte les holocrons. J'avais pas fait gaffe à ma vie. J'ai cru que j'étais encore large. Ouvrez le feu! Musique
petit comme ça, ça me saoule. J'hésite à redémarrer le jeu. Je voulais peut-être finir la mission pour tenter d'avoir de la musique. Donc on a dit que c'était sur une paroi ici. Hop. Voilà, plus. Et c'était par... C'était par là. Oui, c'était par là. Bon. Je crois que le fait d'avoir mis en Seigneur Site, on était un petit peu gourmand. On va réduire un petit peu la difficulté. On va passer en guerrier. Juste pour essayer d'avoir de la musique, parce que c'est un peu triste de ne pas en avoir. S'il y en avait au départ, mais là j'en ai plus et je trouve ça bizarre. Les chargements, normalement il y a de la musique dans les Star Wars. Pas de musique. Je trouve ça étrange. Oh!
près d'où je tire. Attention. Thank you.
Le bras en travers hein, parce que le chat il monte d'un coup, ça t'arrache le bras au passage. Objectif en fait actuellement, remonter la chaîne d'assemblage des ailes. Je harcèle les positions impériales pendant des mois, et Vador envoie un gamin pour m'affronter. Ah.
Vador ne t'a rien appelé ? Tu as encore beaucoup à apprendre de la Force. N'oblige pas à faire ça. Soit te tuer, soit atteindre Vador, alors soit. Je te conseille de m'engainer ton sabre. Je peux voir ton avenir. Vador ne restera pas ton maître éternellement. Je vois. Moi ? Son sabre laser. Mes espions ont localisé un autre Jedi. Kazdan Paratus est beaucoup plus puissant que toi. Je ne m'attends pas à ce que tu survives. Mais si tu le tues, tu te rapprocheras de ton objectif ultime. L'Empereur. Oui. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Je ne vous décevrai pas, mon maître. C'est incroyable. On dirait le temple Jedi de Coruscant. Proxy, est-ce que tu reçois des communications ? Beaucoup trop pour pouvoir les décoder. J'entends des centaines de droïdes, ils appellent leurs semblables. C'est ici que les droïdes viennent mourir. Pose-toi le plus près possible de cet endroit. Je vais faire de mon mieux, mais ça ne va pas être simple. Il faudra rejoindre le temple à pied. Je retourne en orbite basse. D'après les scanners, tu vas devoir passer de l'autre côté du noyau d'hyperpropulseur devant toi. Ensuite, tu pourras accéder au temple de ferraille. Bonne chance. Tu vas devoir trouver un moyen de passer de l'autre côté de ce noyau d'hyperpropulseur. Tu vois quelque chose qui pourrait te servir d'explosif ?
Je reçois des bribes de communication. Sûrement des Rodiens qui sont venus faire quelques emplettes. J'en fais mon affaire. Thank you.
Eclipse à Starkiller. Je détecte une importante activité derrière ce noyau d'hyperpropulseur. Juno, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que tu reçois quelque chose? Rien d'autre que des messages de panique. Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce genre de résistance.
là, j'ai fait en mode Anakin là. Oh là 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 là. Juno, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que tu reçois quelque chose ? Rien d'autre que des messages de panique. Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce genre de résistance. Thank you.
mais c'est pas évident. Désolé pour le temps de... C'est étrange. D'après les scanners, aucune source d'énergie n'alimente les droïdes. C'est comme s'ils étaient animés par... la force. Type de sphère de rang, les sphères rouges qui permettent de débloquer les combos, les sphères bleues grâce auxquelles vous améliorez le pouvoir. Aucune limite à mon pouvoir. Allez, entraînement de pouvoir. Non, c'est pas entraînement. C'est... Select, c'est pas sous start. Sous force. J'ai 3 points. Attention de la force. Oh, je peux sauver 2 ennemis, ça peut être cool. Parcourir, mais moi je vais parcourir plus bête. Ah, je peux pas, ouais, je peux pas. Du coup, le rang suivant, je pourrais soulever jusqu'à 3 ennemis. Alors. La maîtrise du sabre de terre. Comme ça, on a un peu de choc. Protection. XY, fait passer le pouvoir de la foudre dans le sabre. Oh, ça c'est badass. Bien explosif, voilà. Merde, j'ai pas regardé comment on faisait l'éclair explosif. Bon. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi mon live. Je vous souhaite une excellente soirée. Et demain, retrouvez le bus sur Minecraft. Allez, ciao ciao à tout le monde. Bonne soirée.